intro en retard puisque c'est la fin de la semaine. Je voulais juste vous prévenir, je sais que vous aimez bien les moments où je discute, je parle de ma vie. Alors ça va pas être trop le cas pendant les trois quarts de la vidéo. J'étais vraiment à fond dans le travail, j'étais pas hyper au top, donc j'allais pas me forcer sinon ça allait être nul, j'avais rien à raconter. En tout cas, je pense que cette vidéo va quand même vous plaire. Je suis en train de monter la vidéo et je viens de me rendre compte que je n'ai jamais fini ma phrase. Voilà, donc vraiment trois petits points, je sais pas ce que je comptais dire après. C'est un mystère, je suis désolée. Qu'à bonne vidéo les loulous, je vous aime fort. Grand bisous. J'ai oublié le sésame. T'as oublié le sésame? Oh putain! Putain! C'est pas... On doit faire ton L'été ou le printemps ou l'hiver là? Eh, je sais plus, je mets un short ou une doudoune. Ouais. Je sais pas. Fade. Non, cool, non, ça. Ressemble à la Louisiane. Et traverser la prairie comme un capotard. Gugus parce que il mérite. Je ne vais pas sortir ce soir parce que il faut que je travaille et je suis une fille responsable qui ne va pas faire la louba toute la nuit. Je vais éditer la vidéo que vous êtes en train de regarder puisque je vais la sortir dimanche matin et que nous sommes vendredi soir, donc il faudrait peut-être se bouger le cul. D'ailleurs, on est 8000. Je pensais pas arriver à 8000 abonnés sur YouTube, honnêtement, je pensais que ça allait rester très petit.
Mais là, ça commence à faire beaucoup. Ça claque. J'avoue que ouais, je commence à prendre le melon. Sérieusement, merci beaucoup parce que c'est incroyable. Vous êtes tellement gentils avec moi, vous m'envoyez plein de messages, de commentaires. Et continuez parce que ça m'aide énormément pour créer de la visibilité et ça me motive. Parce que vous savez pas, je vous montre pas, mais le nombre de fois où j'ai juste envie de pas filmer. Il y a des moments où c'est vraiment vos commentaires qui m'aident à rester sur le droit chemin. Ah, et du coup là, je vais faire du montage. Du coup, je vais pas filmer puisque je filme avec mon téléphone. Donc c'est Inception et ça ne marcherait pas. Au niveau des lectures, en ce moment, je suis toujours à Captive, je n'arrive pas à le terminer. C'est comme Assoiffée. Je vais arrêter d'écouter TikTok honnêtement parce que bah, c'est moins pire qu'Assoiffée quand même, c'est mieux même. Il y a quand même des moments où j'ai bien kiffé la lecture et tout, mais concrètement, je me fais quand même un peu chier, je vais pas vous mentir. Je pense que c'est pas le genre d'histoire que j'aime à la base. Des moments hyper gênants, premier degré, genre des dialogues qui sont super gênants. Ils passeraient peut-être en anglais, mais pas, ça passe pas du tout en français. En tout cas, c'est pas mon style de lecture, donc je vais pas vous le conseiller. Je vais pas non plus vous le déconseiller parce que voilà, je suis pas vous, donc je peux pas savoir ce que vous aimez ou pas. Mais si vous avez un peu les mêmes goûts que moi, que vous connaissez mes goûts en lecture, j'ai un BookTok d'ailleurs, vous pouvez aller regarder, ça ne va pas vous plaire, je pense. Voilà. Et en revanche, je suis motivée à le terminer parce que qui m'attend? Monsieur Every Last Word de Tamara Stone. Celui-là, je l'ai eu à Noël, ça fait hyper longtemps que je vais le lire. C'est en anglais et c'est sur une fille qui souffre de TOC. Une fille populaire, jolie, très aimée, etc. Mais qui cache un peu des secrets. Elle a également beaucoup d'idées noires et d'inquiétudes. C'est un peu flou. Apparemment, il y a de l'humour noir, un giga plot twist dans le livre. Vraiment trop hâte de lire et je vous ferai une revue dès que c'est fait. Dès mon chouchou. Voilà, je lui ai pas trouvé de prénom. Mais en tout cas, sachez que j'ai filmé toute la semaine avec lui. Là, je l'adore. Regardez-moi ça. Quand je vous dis, je vais... C'est ma fête. C'est ma fête. Ok. Je viens de passer à Sephora. Je sais pas où je vous mets. J'ai envie de vous mettre là. Du coup voilà le sac avec Ariana dessus, notre reine à tous. Bon, tout d'abord, alors c'est un peu bizarre. Et en fait j'ai beaucoup de cernes et apparemment ça tu le mets au congélo et tu t'exploses les cernes avec et ça part. Moi j'y crois, toujours comme faire. Ensuite une brosse pour cheveux emmêlés. Petite brosse. Il écrit lisse les frisottis et les mèches rebelles. Idéal pour cheveux mouillés ou secs. Il peut même annuler le 49.3. Waouh! Ensuite, le kit Pillow Talk de. Comment elle s'appelle déjà celle-là? Charlotte. Charlotte Tilbury. Ok. Le crayon qui apparemment est trop cool. Petit rouge à lèvres. Il est vraiment petit. Ensuite, j'ai pris un crayon bleu parce que j'ai les yeux bleus. Et que j'aime bien faire des looks un peu fantaisistes. Apparemment, il tient 12 heures. Waouh! Voilà, je me dis pour une soirée, faire un petit look un peu... J'aime bien. Enfin, le dernier truc, c'est ça. Oui, je suis influençable. C'est l'huile pour les cheveux Jisoo. J'ai les cheveux secs comme de la paille. La petite huile, elle est trop mignonne. Est-ce que vous me trouvez huileuse ou pas? Dites oui s'il vous plaît. Voilà voilà, donc c'est tout pour ce petit haul. Cosmétique n'a rien à faire dans mes révisions du bac, mais c'est toujours important de se faire plaisir.